Salut, salut! Donc là, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai été réveiller mon petit frère. On a déjeuné, il est parti à l'école. J'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, donc c'était un chocolat Dove comme celui-là. Non, c'est pas celui au caramel, celui qu'il y a là. Donc voilà, je me suis reposée un petit peu dans le lit et puis là, il est 10 h. Donc je vais aller faire à manger aujourd'hui. On mange des lentilles. Donc je vais aller faire ça parce qu'il faut. Moi les lentilles, j'aime bien les faire les cuisiner dans une cocotte en fonte plutôt que dans une cocotte normale. Et du coup, c'est plus long la cuisson, donc il faut commencer à les faire plus tôt. The first Noel, the angel did say. To certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep. Donc là, je viens de démarrer le feu juste ici. Vous voyez le reflet juste ici. Et j'ai démarré les lentilles. Je parle pas trop fort parce que maman a travaillé cette nuit. Donc du coup, elle dort ce matin. Et ici, c'est chaud, c'est pas chaud, c'est chaud. Je vais vous montrer. Je vais peut-être ralentir un petit peu. Donc, il est 11 h moins le quart. Comme d'habitude, je passe dans la nuit. Parce que dans l'escalier, il n'y a pas de fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais descendre tout ce que j'ai besoin pour faire ma couronne. Parce que je vais la faire cet après-midi, c'est obligé. J'ai mon support qui est là normalement. Normalement, il est dans ça. Donc je vais tout mettre dans un sac. Et tout descendre dans la véranda pour ne plus avoir qu'à installer tout cet après-midi. Voilà ce que je vais faire. Donc voilà, donc là j'ai tout dans le sac, donc je vous filmerai vite fait cet après-midi. Mais la vidéo sera en ligne la semaine prochaine de toute façon. Donc vous verrez comment je fais. De toute façon, en général, les DIY, je les essaye pas avant. Je les fais en les filmant directement. Et si ça, vous ne voyez pas. Et si ça marche pas, ben je vous le publie pas. Je voulais vous montrer aussi hier qu'on a acheté une super belle marque avec des cœurs. Ça nous fait penser un petit peu à l'Alsace parce que nous on adore l'Alsace. On y va souvent en camping-car. Donc voilà. Et aussi je voulais vous parler de mes cheveux. Je sais pas quoi faire, j'arrive jamais à rien en faire. Ils sont tout raides de nature. Ils sont fins et j'ai l'impression d'avoir les cheveux plats, pas de coupe. J'aimerais bien me les couper à peu près ici pour déjà enlever tout ça de longueur et avoir du coup que les cheveux soient moins lourds, ça me fera peut-être un petit peu plus de volume, mais je sais pas. Parce qu'après j'ai peur de regretter. Donc, je viens de me faire une petite tartine de fromage à fines herbes sur du pain parce que j'ai faim et mon petit frère arrive encore dans 20 minutes, donc je vais manger ça en attendant qu'il arrive. Donc, le loulou est revenu, on mange ensemble en tête à tête des lentilles et saucisses.
Je vous retrouve maintenant, donc là il est pas loin de... Ouais, il est 5h15. Donc qu'est-ce que j'ai fait tout l'après-midi? Ben, en fait j'ai fait mon DIY de couronne, ça y est, il est fait. Donc si vous voyez que des fois j'ai des petites paillettes qui traînent, c'est parce que j'ai utilisé des cocottes de pain avec des paillettes. J'ai du linge ici à ranger, mais je vais d'abord aller vous montrer un petit preview de la couronne, juste un tout petit bout, parce que comme vous verrez ce vlog, donc je vous préviens, on va être dans le nord. Je suis toute seule à la maison, ils sont partis amener mon petit frère au basket et mon autre petit frère n'est pas encore rentré. Donc oui, la vidéo des couronnes sera en ligne la semaine prochaine. Donc voilà, je vous donne une petite aperçue. Donc je veux juste vous montrer un coin. Alors, comment on va faire? Voilà, c'est ça. Vous n'en verrez pas plus pour le moment. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai du linge à ranger. Je regardais des vlogs, les vlogs d'Alex, j'adore. Les vlogs d'Alex, c'est de Tellement Mum. Tellement Mum, c'est ma préf. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je vous retrouve maintenant. Donc je voulais vous dire qu'il y a un code promo sur Boohoo en ce moment. Donc j'ai vu ça tout à l'heure, c'est où j'ai vu ça? Dans ma newsletter Boohoo peut-être. Donc il y a un code promo sur Boohoo de moins 50%. Par contre, bah, il finit dans 6 heures. Donc d'ici à ce que vous ayez vu ce vlog, il sera plus en comment? Bah, ce sera plus le temps de l'utiliser parce que ça marchera plus. Donc le code promo, c'est pas sur tout le site, c'est sur c'est sur les robes, les tops et les manteaux. Donc moi j'en ai profité pour les manteaux. Je me suis pris un petit un manteau en fausse fourrure. Faut le Beige. faire, hein. De En quoi? fausse fourrure. Oui. C'est des poils. Oui, mais c'est des faux poils. C'est pas des poils C'est des d'animaux. poils artificiels. Voilà. Exactement. Tu filmes? Monsieur aime bien être vlogué. Penche plus la bougie. Ah, reste pas comme ça, faut que tu cliques. Ah, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est la bougie que je vous disais. Putain. Attends, tourne. La Snowflake Cookie. Vas-y, pose-la parce qu'elle fait une grande flamme en plus. Elle fait une flamme et elle fait toute noire. Donc, viens voir. Touche si le bout il est refroidi. Pas trop. Bah, Oui. touche-toi. Monsieur, vas-y, mets-le. Donc, oui, j'ai commandé un manteau en fausse fourrure et un. C'est comme un petit gilet sans manches, pareil, en fausse fourrure. Pour tout, les deux, ça faisait 113 euros. Pour les deux. Mais les deux étaient à moins 50%, donc ça me fait 56 euros. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. Donc, ça valait le coup. Je vous ai partagé l'info sur Twitter. Donc, si vous voulez que je. Enfin, quand je peux, c'est souvent sur Twitter, quand je sais qu'il y a des offres que je partage. Donc, rejoignez-moi là-bas si jamais vous voulez être informé. Parce que dans les vlogs, ben, ça arrive le lendemain. Donc, si ça dure que 24 heures, vous ne serez pas au courant, quoi. Je suis revenue de l'athlétisme. Mais, athlétisme. Et puis j'ai fait ma douche et on a mangé. Puis voilà. Et puis on clôture la fin du vlog. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Et puis, bah c'est tout. Ah oui, c'était Saint-Nicolas à l'école aujourd'hui. Oui. Ben, j'ai pas pu vous montrer tout ce que j'avais parce que c'est déjà mangé et puis remangé. T'as mangé tout? Non, pas tout. Il me reste Bah t'as eu une trois sucette, bonbons. une sucette en chocolat. Attends, c'est moi qui dis une sucette en chocolat. Un petit
Saint-Nicolas en brioche. 4 papillotes. Attends. Une papillote au chocolat qui n'était pas bon. Pas bonne. Une papillote à la pâte de fruits. Une papillote au chocolat avec du caramel qui était dedans, qui était bon. Une orange, une clémentine. Une clémentine. Et la sucette au chocolat. Un bonbon cassis. Oh. Un bonbon à l'orange. Un bonbon au citron. Il y avait des bonbons ? Oui. Et un bonbon à la fraise. Donc voilà. Donc c'était la dernière Saint-Nicolas à l'école primaire. Parce que l'année prochaine, Saint-Nicolas, il passe pas en sixième. Et puis, j'espère que ça vous aura plu ce matin quand ma soeur est venue me réveiller avec le téléphone. Et puis, je lui avais demandé si j'avais le droit de venir le vlogger en le réveillant. Et puis, quand elle m'a filmé quand je descendais pour aller au bus. Et puis, regardez la partie du coude là. Quand c'est déplié comme ça, ça fait la peau, elle est comme ça là. Elle est comme ça là. Oui. Moi je fais comme ça. Il tire la peau. J'aime bien. Donc voilà, donc on espère que ça vous a plu. On vous fait plein de bisous et on vous dit à demain. Bye. Salut.